Salut, salut! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 6 ans et ensemble, nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Aujourd'hui, je vous reprends pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui, nous allons découvrir le parc aquatique Aqua Bellward. Il se trouve à proximité du parc Bellward, comme par logique, sur la commune de Ypres, en Belgique. C'est à peu près à 50 minutes de Dunkerque et on est à peu près à 20 minutes autour de l'île. Donc c'est pas très loin en soi et on avait vraiment envie de découvrir ce parc aquatique et surtout, on voulait se faire une piscine plutôt sympa, que ce soit pour Lilou, nous, mais aussi pour les petits, ce qui n'est pas toujours évident. Donc, on va découvrir tout ça aujourd'hui et en famille. Ce midi, on avait fait on a fait des pâtes. Donc, je vais vous montrer ma petite recette de pâtes, ce qui est franchement très facile à faire. Et on se régale toujours. Alors, je vous laisse découvrir tout ça en images et je vous reprends juste après.
Alors moi, je vous retrouve, comme vous avez pu le voir, Alan et Alix étaient particulièrement captivés par la caméra. Ça les a beaucoup, mais alors beaucoup amusés. Bon, en soi, j'avoue qu'ils nous ont bien fait rire. On a bien mangé. C'est une recette ultra facile. Ultra facile et ultra rapide. Bah oui, des journées comme ça, on fait rapide. On a bien mangé, tous. C'est une recette que je fais assez fréquemment parce que tout le monde l'aime et que franchement, ça me prend vraiment pas beaucoup de temps. Et finalement, elle revient pas cher. Donc comme ça, disons-le, tout le monde est content. On a bien mangé, on s'est mis en route de Dunkerque. Il était 14h. Donc on a décollé de Dunkerque à 14h. Le temps de faire la route, vous avez eu plus de 50 minutes. Et on a bien fait. Parce qu'on a eu des bouchons. Donc finalement, on a bien fait de partir avant. On est arrivé pile à l'heure. Pour être honnête, on était content. Le temps d'installer tout le monde, ça va vite en fait. Hein. On perd vite du temps, surtout avec des petits comme ça. Donc on a décollé, il était 14h, 14h30 à peu près. Le temps de faire la route. J'avoue, la route est plutôt simple. Hein. On n'est pas très très loin. Donc en soi, ça s'est bien passé. En plus, les petits se sont endormis, donc ils ont fait une micro-sieste dans la voiture. Ce qui m'a beaucoup arrangé. Beaucoup. Parce que des enfants fatigués, c'est des enfants pénibles. Et dans ce genre de jeu, je vous raconte pas. Donc franchement, ça a été. On est arrivé sur place. Il y avait peu de monde sur le parking, donc on a apprécié. Bon, le monde est venu après, hein. On l'a senti. Mais globalement, je m'attendais à pire au niveau du monde et surtout de l'attente. Quand on arrive vraiment sur un grand hall et franchement c'est plutôt drôle parce qu'ils avaient tout décoré sur le thème du carnaval. Alors je vous gâche pas, je me suis dit, il y a carnaval sur Dunkerque mais ça va jusque Ypres en Belgique quoi. Le carnaval nous suit, vous voulez faire du carnaval ou pas, vous l'avez partout. C'était ouf et franchement ça a été sympa. Donc on a profité de tout ça. Et on est arrivé, donc le temps de valider nos billets, de les transformer, de récupérer des petits bracelets magnétiques qui vous permettent d'ouvrir et fermer les casiers. Et ça, je vous l'accorde, c'est super pratique. Et là, le moment de payer le parking arrivant. Et là, on constate, c'est le drame. Moi, j'avais pas pris mon sac. Et Eric avait oublié le sien. Comment vous dire? Aucun moyen de paiement pour payer le parking sur lequel on était déjà garé. Panique à bord. Eric qui nous farfouille tout ce qu'il veut, mais pas d'espèces, pas de cartes, que dalle, hein, que nos téléphones. Franchement, sur ce coup-là, n'importe quoi, quoi. On y est allé, mais alors, sans pièce d'identité, en Belgique, sans moyen de paiement, c'était sympa. On est tombé sur, franchement, du personnel super, mais super sympa. Franchement, je les remercie mille fois. Alors moi, j'ai eu l'illumination brusquement. Éclair de génie. Si, éclair de génie. Je me suis dit, PayPal. Ils nous disent que, oui, pas de souci, qu'on peut payer par PayPal, que ça pose pas de problème. Eux, ils comprennent tout à fait, ils disent que ça arrive souvent. Parfait. On a un compte PayPal qu'on utilise, donc pas de souci là-dessus. Et là, impossible de faire aller le site PayPal. Je vous jure. Non mais la blague. Impossible de faire aller ce compte PayPal. Tout est buggé à mort. Impossible d'enregistrer quoi que ce soit. Panique à bord. Comment on va faire? Mais comment? Trois personnes différentes. Et c'est, il y a même l'un des caissiers super gentil qui a téléchargé l'application PayPal, qui s'est créé un compte PayPal pour qu'on puisse valider n'importe quoi, je vous dis. Et rien, impossible de le faire fonctionner. Mais on désespérait quoi. Et là, le gars super cool, super gentil, il nous dit gentiment, bon, vous savez quoi, il n'y a pas de souci, on vous offre le parking. On la regarde. C'est super gentil quoi. Il a juste pris notre immatriculation.
Et effectivement, il nous a dit, quand vous partez, faites-nous un petit signe, on vous ouvrira la barrière, y a pas de souci. Honnêtement, déjà, c'est la première fois que ça nous arrive. Non, mais faut le dire, on est mariés à nos sacs à main. Là, les seuls jours où on le prend pas, c'est la cata, quoi. Et en fait, franchement, les gars sont super, super gentils. Mais vraiment, le personnel est top, mais rien à redire. C'est la première fois que ça nous arrive et c'est la première fois qu'on nous offre le parking. Je nous voyais déjà devoir ressortir, se garer dans la rue. Enfin, le cauchemar, quoi. Clairement, le cauchemar. Et non, pas du tout. Notre voiture en sécurité, sur le parking surveillé. Et ça, aux frais de la princesse. Comment vous dire ? C'était plutôt sympa. Donc nous voilà munis de nos petits bracelets pour aller se changer. Donc Eric s'est changé avec Alan pour l'habiller. Moi, je me suis occupée des filles. Alix était ravie. Elle avait hâte d'aller dans l'eau. C'était un truc de dingue. En plus, toute mignonne avec son bonnet de bain. Ils étaient trop choux. Bien sûr, bonnet, maillot de bain, fourni chez Decathlon. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas cher. Et honnêtement, c'est de bonne qualité. Donc ça nous a... Là, honnêtement, les maillots de bain, alors Alan nous a coûté son maillot, nous a coûté 4 euros, donc franchement pas grand chose. Et Alix, 5 euros son maillot de bain. C'était les premiers prix. Ben, ils grandissent tellement vite que disons-le, hein, bon, envie de mettre des 1000 et des 100 dans un maillot de bain. On a mis un petit peu plus cher pour Lilou parce qu'elle grandit, hein, y a pas. En 14 ans, Lilou, on a payé, pas très cher non plus, on a payé que 10 euros son maillot. Donc, franchement, on était tous équipés. Et on est allé donc se changer et on est arrivé dans la piscine. C'est sur le thème des pirates. Donc vous avez plusieurs gros bateaux, des toboggans. Alors il y a de mémoire 3 toboggans dont un extérieur. Un énorme toboggan qui apparemment fait bien flipper selon Lilou. Il y a également de grands espaces pour les tout petits. Alors vous, je sais pas. Mais moi, je trouve ça frustrant. Souvent, vous avez un pseudo minuscule bassin qui ressemble plus à une pataugeoire qu'autre chose. Et les enfants, du moins les petits, n'ont pas grand-chose. Là, je dois avouer qu'il y a un grand espace pour les tout-petits. Vous avez un bateau où ils peuvent monter dessus, faire semblant de conduire le bateau, de jouer dessus avec des toboggans, avec de quoi s'accrocher, à leur échelle, bien entendu. Et il y a une multitude de jeux à l'intérieur du bassin avec tous des jets d'eau. Vous avez des petits passages où vous êtes arrosé pour les tout petits. Et franchement, il y a énormément de choses de conçues. Vous avez également attenant au bassin pour les petits, un jacuzzi pour les parents. Donc vous pouvez surveiller votre progéniture à jouer et patauger dans leur eau. Et vous êtes tranquillement au chaud dans le jacuzzi. Je vous assure que ça, c'est cool. C'est vraiment, vraiment cool. Et on en a bien profité. Les petits se sont éclatés. Et même dans les espaces de grands, vous avez toujours un niveau pataugeoire qui permet aux petits, pendant que les frères et sœurs sont dans les grands jeux, de pouvoir patauger également. Honnêtement, je dois dire, c'est peut-être l'un des centres aquatiques, du moins de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, les plus adaptés aux familles. Alors même s'il est un chouïa plus petit que Sun Aquapark, donc en Belgique. Il est plus petit. Ça, je suis forcée de l'admettre, il est plus petit. Mais honnêtement, il est vraiment très fonctionnel et il est vraiment conçu pour les familles dans leur globalité. Vous pouvez vraiment profiter de tous les bassins avec vos tout-petits. Ça peut paraître idiot, mais Lilou va avoir 12 ans. Comment vous dire ? Elle en a rien à foutre des pataugeoires, soyons honnêtes. Alan grandit. Du haut de ses 4 ans, il aime les sensations, il aime les toboggans, donc il aime faire ça avec Lilou. Le problème, c'est que du coup, bah, j'aime bien moi avoir un œil dessus. Et bah, généralement, Eric va avec eux, moi je reste avec Alix qui est clairement trop petite. Et du coup, on est souvent séparés. Il y en a forcément soit moi, soit Eric qui est coincé avec Alix dans la pataugeoire, pendant que les grands vont dans les autres attractions. Là, honnêtement, on peut vraiment être tous ensemble. Pendant qu'ils font leur toboggan, nous on est vraiment sur le bord du bassin. Il y a toujours un secteur où vous pataugez, donc où les petits peuvent jouer. Et là, honnêtement, j'ai trouvé ça génial et vraiment bien conçu. On peut profiter de cet espace-là en famille sans avoir peur de passer la journée dans un pataugeoire.
Soyons honnêtes, pour un adulte, c'est chiant. C'est chiant. C'est vraiment chiant de devoir être coincée dans une pataugeoire parce qu'elle ne peut pas aller dans les gants. Là, honnêtement, Alix a vraiment eu accès à tout. Elle a pu se balader et profiter à fond. En plus, il propose des gilets de qualité. Vous savez, les gilets, une espèce de gilet de sauvetage. Là, c'est pas les espèces de bouées en polystyrène ou je ne sais quoi. Non, non, c'est vraiment le beau gilet qui les maintient bien. Ils sont mis à disposition gratuitement pour tous les enfants. Il suffit de les demander aux maîtres-nageurs et de leur amener ensuite. Honnêtement, moi, j'ai trouvé ça plutôt cool. Du coup, ils ont pu vraiment profiter de toutes les attractions. Vous avez également une rivière, donc avec des courants, etc. Des jeux de lumière à l'intérieur, c'est vraiment canon. Vous avez un aquarium, donc à même la rivière. Vous avez tout un mur d'aquarium où vous pouvez découvrir des poissons vivants, de vrais poissons. Les enfants ont été subjugués et honnêtement, même nous, on a trouvé ça magnifique. Mais vraiment magnifique. L'effet, il est garanti. Vous avez des grosses bouées où vous pouvez jouer dessus. Et d'ailleurs, les enfants se sont bien amusés avec. Eric aussi a fait l'enfant. Il s'est bien amusé sur la bouée géante. Mais honnêtement, c'était vraiment cool. On a découvert également qu'Alix adorait l'eau. Bah oui. Étant coincée dans ses foutues pataugeoires tout le temps, là, elle a pu profiter de l'eau et on s'est rendu compte qu'elle adore l'eau. D'ailleurs, elle a essayé de nager toute seule. On passait notre temps à aller la repêcher parce qu'elle ne voulait pas qu'on la tienne. Donc, à mon avis, elle va apprendre à nager assez rapidement. Contrairement à Alan, où lui, il avait un petit peu peur. Pas question de le lâcher, lui. Mais honnêtement, on a bien profité tous ensemble. Vous avez également, toujours dans ces rapides, tout un mur d'escalade pour les grands. Alors ça vous permet vraiment d'escalader, c'est un mur complet. C'est pas le petit rikiki, non, non, c'est tout un mur. Et franchement, j'ai trouvé ça génial parce que je trouvais vraiment que c'était vraiment conçu pour tout le monde. On pouvait y aller avec les petits, on les tenait bien sûr, mais les grands n'étaient pas en reste. Et ils avaient vraiment de quoi se défouler et les choses sont vraiment adaptées à tout âge. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais tout est conçu pour que toute la famille en profite ensemble, pas séparée. Et j'avoue, c'est la première fois où je vois un parc aquatique qui a ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire qui permet à tous les enfants de tout âge de pouvoir profiter ensemble de toutes les attractions. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu et bien conçu. Et honnêtement, me dit qu'il devrait y en avoir plus des comme ça parce qu'on on a vraiment bien profité tous ensemble, on est restés ensemble, on était hormis quand ils descendaient les toboggans, mais sinon on était vraiment tous ensemble, on n'a pas été séparés, on n'a pas dû se relayer dans la pataugeoire pour pouvoir profiter quand même, et ça, je vous avoue, ça fait du bien. Nous en tout cas, on a adoré. L'eau, alors contrairement ce dont on avait peur, elle n'était pas froide, elle était même très chaude et c'était vraiment agréable. Honnêtement, rien à redire de ce côté-là. La propreté non plus, tout est très propre. Les bassins sont surveillés, vraiment surveillés. Pas, vous savez, pas de jeter un œil vite fait. Non, 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 ils tournent autour du bassin. Il y a une dizaine de maîtres nageurs qui tournent autour des bassins. Ils ont tous leur sifflet qui est particulièrement agaçant, je voulais le dire, pour vous éviter de courir. Vous évitez d'emmener les bouées dans tous les bassins, d'éviter de faire le con des choses dangereuses. Et honnêtement, ils surveillent vraiment et ils sont accessibles. Ils passent aussi bien français, anglais que néerlandais. Et ça aussi, c'est agréable parce que tout le monde peut y avoir accès. Honnêtement, on a adoré, mais vraiment adoré. J'ai trouvé ça super sympa. J'ai trouvé les attractions très drôles, très bien faites, sécurisante. C'est un parc qui est vraiment conçu pour les familles. Tout le monde peut en profiter. Et je pense pouvoir dire qu'on y retournera, c'est presque sûr. Alan a adoré, je vous parle même pas d'Alix, elle a fait la découverte. Hein. C'est pas une petite fille en fait, hein. C'est une sirène, cette petite fille. On avait une petite sirène avec nous qui s'est éclatée.
Lilou n'a pas du tout été frustrée de devoir rester avec son frère et sa sœur dans les bassins. Elle a vraiment pu profiter à fond de toutes les attractions. Et honnêtement, à la fin de la journée, on était bien contents de se poser. On a d'ailleurs bien remercié les caissiers et j'en profite s'ils nous écoutent. Merci infiniment pour votre geste. Honnêtement, ça c'était super sympa. Et on a fini tout simplement à Burger King. Oui, on s'est dit, j'avais une flemme intersidérale de faire à manger après une journée pareille. Du coup, on s'est fait un petit Burger King tous ensemble, en tournée des carnavaleux puisque c'était le carnaval. Et je dois dire, bah c'était plutôt drôle, parce que alors, les enfants se sont amusés avec les carnavaleux, c'était plutôt sympa. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, j'ai apprécié vous la faire. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà testé Aqua Belle World et ce que vous en avez pensé, parce que nous, on aime, mais ça, c'est notre avis. Et c'est pas forcément celle de tout le monde. Et je serais curieuse de savoir ce que vous avez aimé ou pas dans ce parc aquatique. Voire même s'il y a un autre parc dans la région que vous avez préféré à celui-ci. Peut-être que je ne le connais pas et que je serais ravie de le tester. Alors je compte sur vous. N'hésitez pas à mettre un message. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Je ne le répéterai jamais assez, mais pour vous, c'est gratuit. Mais pour nous, c'est super important. Alors je compte sur vous et on clique là, ici. Pour s'abonner à la chaîne, ainsi que tous les réseaux sociaux, on est partout, tous les jours. Alors je serai ravie de vous y retrouver. Mais surtout, je compte sur vous pour partager la chaîne parmi vos amis. Ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Alors je compte sur vous et sur votre soutien. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, car moi, j'ai adoré vous la faire. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur YouTube, Instagram, TikTok et Facebook, et alors, qu'est-ce que vous attendez pour le faire? Pour vous, c'est gratuit, mais pour nous, c'est hyper important. Alors on n'hésite pas, on like et on s'abonne à la chaîne. Mais surtout, on partage la chaîne parmi ses amis, ça nous permet d'avoir une communauté plutôt cool. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!